Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va sur un entraînement complet pour les pectoraux au poids du corps, sans matériel. Donc, t'as aucune excuse. Aujourd'hui, on va se déchirer les pecs. Donc, prépare-toi, mets un habit chaud parce qu'il fait froid et on y va. Premier exercice, ça va être les pompes avec le buste au sol. On va faire 4 fois 10 reps. Hop, allez. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. 6. On pose bien le buste au sol. Allez. 7, allez. 8, allez. 9 et 10. On va se reposer. J'ai mis le minuteur, enfin le chronomètre plutôt. Moi je varie entre 30 et 40 secondes de repos. Si c'est trop peu pour toi, enfin si c'est trop pour toi, tu peux monter à 1 minute, 1 minute 30. C'est le repos, tu le varies en fonction de ton niveau. C'est très important. Oh. Là, on a 20 secondes. Je vais maintenant repartir. Si tu sens que c'est simple, tu mets un repos court comme moi. Allez, hop, on repart. 1. 2. Allez. 3. Allez. 4. 5. 6. 7. Allez. 8. 9. Et 10. Hop. Là, ça commence à bien brûler, ça commence à bien me réveiller. Ça va être bon pour la suite. Oh. 30 secondes de repos encore pour moi. Et n'hésite pas, hein. Si c'est trop peu pour toi, augmente. 1 minute, c'est très important. Le repos, c'est vraiment en fonction de toi, en fonction de ton niveau. Oh. Allez, je vais bientôt reprendre. 27, 28, 29, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Là, je commence à sentir une bonne douleur au niveau des triceps. Mes triceps commencent à bien s'échauffer. C'est très bien. Oh. Là, je vais prendre un peu plus. Je vais prendre 40 secondes de repos. 40 ou 45, on va voir. Parce que là, je sens que mes triceps sont en feu déjà. Alors qu'on est au premier exercice. Oh. Allez. On a 30. Oh. Allez. 35.
36, 37, 38, 39. Hop, c'est la dernière. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept, allez. 8, 9 et 10. Ouh. Là, on se repose 2 à 3 minutes. Tu peux prendre plus de repos pour enchaîner avec l'exercice suivant. Exercice numéro 2, on va faire des pompes normales. Alors, pour ces pompes normales, on va pas prendre notre temps, on va les faire en dynamique, tu vois. Pas les faire trop vite ni trop lentement. Un rythme régulier entre les deux, ok. Parce que si tu les fais trop lentement, le problème c'est qu'après tu pourras pas semer derrière, comme tu as tétanisé assez vite. Donc, à allure régulière, ok. On va en faire 10, 4 fois 10 reps. Allez. 1, 2, 3, 4. Faut bien descendre. Allez. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Au niveau du repos, pour la première, je vais prendre 30 secondes. Après, j'irai pour la suite. Parce que là, ouf, mes bras sont en feu. Je sens pas encore mes pecs, mais c'est plus mes triceps, comme c'est dans les points forts avec les bras, qui prennent le plus cher. Je pense que c'est avec l'écarté et les pompes surélevées que je vais bien sentir les pecs. Ça va soulager mes triceps. Oh. Allez. 28, 29. On y va. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Ouh. Là c'est reparti. Je vais prendre 10 secondes de plus, 40 secondes, histoire de bien récupérer et repartir tranquillement. Oh. Ah, là je commence à sentir un peu mes pecs. Je commence à les sentir un tout petit peu, c'est très bien. Oh. Allez. Très important, n'hésite pas à boire de l'eau aussi dans ta séance. Moi je le fais à chaque fin d'exercice. Ah. Ah. Allez, 36, 37, 38, 39, hop, c'est l'avant-dernière, on y va. 10, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, et 10, très bien. Oh. On va prendre 40 secondes aussi pour la dernière, histoire de bien récupérer. Parce que ce qui va suivre après, c'est les pompes serrées. Pompes serrées, triceps. Donc voilà, comme moi, j'ai des gros triceps. Ils prennent cher quand je fais cet exercice-là. Je vais bien me reposer pour bien les enchaîner. Oh. Allez, 20 secondes. Ouais. 28, 29, 10 secondes. Ouais. 8, 9. Allez, on y va. Hop, 10 dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 9 et 10. 2 à 3 minutes de repos, on va boire de l'eau et on enchaîne l'exercice suivant. Troisième exercice, l'exercice le plus dur qui sont les pompes serrées. Donc si tu as du mal, mets-toi à genoux, fais les pompes à genoux, ok. Tu te mets bien sur ton genou, hop, et tu fais ta pompe si tu as du mal. Allez.
on y va 4 fois 10 reps aussi. Et on les fait comme les pompes normales, à allure régulière, pas trop lentement, sinon ça va être dur. Allez, on y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. 30 secondes de repos pour la première. Enfin, moi je prends 30 secondes de repos. Et comme j'ai dit, hein, si tu as du mal, si tu veux prendre plus de temps de repos, prends plus de temps de repos. Le plus important, c'est d'écouter son corps. Oh. Et de bien faire le mouvement aussi. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Les pompes serrées, vous travaillez le centre des pecs, tu vois. Mais bon, le centre des pecs, mais plus tes triceps, tu vois. Donc, c'est un exo où là, si tu veux des bras, faut que tu le tabasses. Il n'y a pas le choix. Et c'est un exo que, pour ma part, a bien tracé mes triceps. A bien démarqué le biceps et le triceps. Oh. 27, 28, 29. Allez, pour la troisième. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh. Là, je commence à avoir chaud. Mais on va garder le pull. On garde le pull. Allez. Oh. Là aussi, je vais prendre 30 secondes pour la dernière. 30 secondes entières. Parce que je me sens bien et je suis chaud. Et mon corps, elle en redemande. Donc, on va nous mettre un temps de repos réduit. Allez, 27, 28, 29. Ok, on y va. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, très bien. 2 à 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Quatrième exercice, on va faire les pompes écartées. Donc, on prend bien large et on fait ses pompes. Si t'as du mal, mets-toi à genoux. C'est un exo qui va travailler la largeur des pectoraux cette fois-ci. 4 fois 10 reps encore, c'est parti. Oh. Allez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. 30 secondes de repos aussi. Oh. Allez. 10. Oh. Là, mes triceps sont très soulagés avec cet exo-là. Je vais me faire plaisir. 20. Oh. 6, 7, 8, 9. Allons, on y va. Je ne l'ai pas précisé, mais n'hésite pas à prendre de la musique pour te motiver si tu as besoin de musique. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une seconde de repos encore et après on va repartir tranquillement. Ah. Moi pour ça j'ai pas besoin de musique parce que on va dire c'est des exos de base et je suis un peu habitué à les faire. Donc ça va, pas besoin de musique, juste concentré, focus. Ce qui est plus fatigant pour moi c'est de parler et de pousser en même temps, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. 4, 3, 2, 1. Allez, on y va, on lâche pas, on est presque à la fin. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Oh. 30 secondes de repos aussi et après on va repartir. Oh. Allez, 10. Hop. Ben, allez, c'est pas parce qu'il y a confinement qu'il faut se relâcher. On continue, on lâche pas et on garde la motivation, c'est très important. Allez, la dernière. 30. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Allez, 2 à 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant, au dernier exercice. Dernier exercice de ce programme, ça va être les pompes surélevées. C'est le dernier exercice, mais c'est le plus important parce que ça va cibler le haut des pecs. Et le haut des pecs, c'est un muscle qui est très dur à développer. Même en salle de sport, on galère pour le développer. Mais au pas de corps, on peut quand même le développer avec cet exo-là. Et c'est ce qu'on va faire en 4 fois 10 reps. Allez, hop, je déverrouille le téléphone, je prépare le chronomètre et on y va. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Allez, je prends 30 secondes de repos aussi parce que je suis chaud. Allez. Oh. 10. 20. On est à la fin, on tient, on lâche pas. On lâche pas. Comme ça, on valide la séance et après, on peut faire ce qu'on veut. Oh. 30, c'est parti. Allez, façon de ne pas tomber. Hop, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. 30 secondes encore, histoire de bien récupérer, bien souffler. C'est très important. Et on y va. Là, t'as pas le choix. Tu peux pas faire les pompes à genoux, tu es obligé de les faire en surélevé. C'est dur, mais c'est le meilleur exercice, crois-moi, qui vont faire développer le haut de tes pecs. Allez, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On y va pour la troisième. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Je ne l'ai pas dit pour le placement des mains, mais les pompes surélevées, moi je les fais à largeur des épaules comme les pompes standard, comme les pompes normales. Tu peux les faire aussi en serré, tu peux les faire aussi en écarté, mais moi je préfère les faire en standard. Pour moi, la sensation, elle est meilleure et je peux pas changer. C'est la meilleure sensation que j'ai, donc c'est ça là que je fais. Après, écarté, je trouve ça un peu plus facile. Mais serré, c'est très dur. Mais là, je sens vraiment que mes triceps travailler. Et pour le haut des pecs, je préfère le faire en normal. On va à la 40 secondes, 39, 40. Et on fait la dernière tranquillement. Allez, après on est délivré. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, c'est bon, c'est fini. On se repose 2-3 minutes, le temps de souffler. Et après, on va procéder aux étirements tranquillement. N'hésite pas à bien boire de l'eau. Et voilà. Merci de m'avoir accompagné pour cette séance.